Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour une dernière vidéo, la dernière vidéo de la semaine Black Ops 2, voilà. Et donc la dernière semaine, jour 7 je crois, jour 7 ou jour 6, je sais plus, jour 7 je crois. Voilà, nous sommes dimanche, enfin la semaine se termine, elle a été très fatigante, pour moi surtout. Elle était vraiment fatigante et faire des vidéos comme ça un peu tout souvent, ça, c'est fatigant, ça me fatigue franchement. Parce qu'il faut trouver les mots, il faut trouver les phrases et c'est assez difficile de parler parce qu'à force on commence à avoir plus de voix. Donc voilà, alors on va aller créer la classe d'aujourd'hui. Donc la classe d'aujourd'hui va être l'arme la plus difficile de moi personnellement, la plus difficile du jeu. La plus difficile normalement, moi pour moi, c'est la Chicom CQB. Franchement, alors celle-là, c'est une horreur de chez horreur. Franchement, je vous le dis sérieusement, on va commencer directement la partie. Et franchement, c'est une horreur cette arme. Dès qu'on vise, ça a un recul de malade. On vise quelqu'un de super loin, c'est impossible, il n'y a même pas besoin de réfléchir, vous ne l'aurez pas. On va tester, vous verrez. Vous verrez avec moi, on n'aura que dalle. On va galérer ensemble, ça va être un truc de malade. Vous allez voir ça, on va la tester. Moi, je pense que je l'ai testé, je crois, deux fois. Ça m'a suffi. J'ai dit, je suis mort plein de fois, c'est bon. Vous allez voir, c'est un petit peu comme MW3, les Akimbo, là, je sais pas si vous en rappelez. Les Akimbo d'un MW3, elles arrachaient tout. Mais celle-là, alors là, franchement, je la trouve belle. Mais le viseur, il est pourri. Mais je la trouve vraiment belle. Mais franchement, pour moi, elle est vraiment pas terrible. Mais après, on peut faire des bons scores avec, mais franchement, là, pour l'instant, elle m'a vraiment pas satisfait. En plus, elle a à coup. Elle est vraiment à coup et c'est pas terrible, les à coups. J'aime pas du tout les armes à coup. C'est pas mon taf. Là, on va pas monter par là, on va essayer de passer par là. Je suis sûr qu'il y a un gars, en plus. Regardez, qu'est-ce que je vous avais dit. Voilà, voilà. C'est une arme que j'aime pas, mais j'arrive bien à me débrouiller, en tout cas. Il est là, il m'a vu. C'est obligé qu'il m'a vu. Ah bah non, il m'a pas vu. Donc voilà, on commence bien déjà la partie. C'est assez sympa. Oh, oh vite, couche-toi. On va essayer de monter pour le tuer. Voilà, je l'ai eu. J'espère que je vais faire une bonne partie avec cette arme. Hein. Au moins, je vous fais un bon gameplay. J'essaye de m'appliquer, j'essaye de bien tirer comme il faut. Parce que les autres parties d'hier avec le pistolet, franchement, ça a pas géré. J'ai vraiment pas géré. Et je me suis franchement... Ah là là, voilà. Ça commence bien, mais ça se finit mal. Ça, c'est assez chiant. On verra bien. Là, il est là-bas. Là, il me fait un petit peu peur, le gars, parce que je me suis fait shooter. J'ai pas envie de me faire shooter une deuxième fois. Il doit être par là. Ah bah non. Y'a personne. Y'a personne. Oh si. Oh là là. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Oh, je me suis fait une double. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai 6-2, là. 6-2, c'est toujours ça. Désolé pour que je campe, mais... Oh putain, il était juste là, j'avais pas vu. 8-3. Donc, franchement, pour moi, c'est l'arme la plus difficile du jeu. Après, ça dépend si vous savez jouer avec cette arme. Moi, personnellement, j'arrive pas trop à jouer avec une arme pareille. Mais là, je sais pas, ce qui me prend. Je joue bien, donc... Je joue bien, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas joué, donc. Donc voilà, bah tant mieux si je joue bien, tant mieux. Je suis assez content. Hein. Je sais pas où il est. Ça me fait souci. Quand je sais pas quelqu'un où il est, ça me fait un petit peu peur. Parce qu'on sait vraiment pas où il est et je me dis, merde, il peut être derrière moi, quoi. Là, normalement, il est là-bas, en face. Normalement, ils sont en face. Après savoir s'ils sont en haut, hein, ça, après je peux pas vous dire. Là, il y a un gars qui est mort. Oh là là, je me suis pris une putain de Betty, quoi. Putain, mais les Betty, elles sont trop fortes, je trouve. Voilà, lui, il est mort. Voilà. Putain, franchement, je fais un bon score. Pourtant, je suis pas très fort avec une arme comme ça. J'ai vraiment très galéré. Vous verrez, essayez de l'utiliser. Vous allez vous dire. Franchement, elle est vraiment difficile. Oula, là j'ai eu un truc bizarre. Ça m'a complètement déplacé mon viseur. C'était assez bizarre.
Voilà, lui il est fait comme un rat. Attendez, là il y en a un, mais je sais pas, il va peut-être m'avoir. Non, en fait il m'a pas eu, tant mieux, bah tant mieux pour moi quoi. Ouais, mais c'est chiant parce qu'il revient toujours de l'autre côté. On va essayer de balancer le tomahawk, je m'en fous hein, complètement. Allez, lui on se le fait tranquille. Et là, il y en a un autre là, ici normalement. Il est en haut, 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 il est en haut. Et on va se mettre une putain de flash. Il est là, il est là. Oh là là, je suis dégoûté, j'aurais pu l'avoir. Oh non, 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 non. Oh là là, là, je suis pas bon là. Je suis pas bon, je suis pas bon du tout. Franchement, là, là, je sais pas si c'est. Ça s'enchaîne depuis tout à l'heure. Je crois qu'il avait la même arme que moi. Et l'autre, le sniper qui me fait un quick cop. Un quick cop dans ma tête. Ça arrive des fois. Mais bon, personnellement, moi, j'aime pas cette arme. Après, peut-être avec un viseur, elle serait mieux. Mais franchement, moi, pour l'instant, je reste sur mon avis qu'elle est vraiment très difficile cette arme. Et franchement, utilisez-la, vous verrez, vous allez vraiment galérer. Et donc voilà quoi. Allez, 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 lui il est en train de camper là-haut. Ouais, je sais pas ce que vous avez vu, mais moi je campe juste genre 3 secondes et puis je pars après. Cela qui reste toute la partie de l'autre côté, c'est bon quoi. Je me baisse. Il y avait une bêtise par terre. Il y avait une bêtise, vas-y, passe, passe toi si tu veux crever. Putain, il est derrière moi. Il est derrière moi, il était derrière moi. Je sais plus où il est maintenant. Eh bah si, il était là. Un autre, c'est magnifique. Un autre, il y en a un autre derrière moi. Il a sauté normalement. Et voilà, il a sauté, voilà, je vous avais dit, il a sauté. Je connais un petit peu les techniques, hein, de toute façon, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Normalement, lui, il passe par là. Ok, c'est bon. Il y en a un autre. Ah, il était en train de camper. Alors là, franchement, il campe comme un porc, celui-là. C'est pas très très beau. Oh, j'aurais peut-être pu me l'avoir. J'aurais peut-être pu me l'avoir. Voilà, j'ai fait du 19-12, c'est pas mal. Même si franchement c'est l'arme pour moi la plus dure du jeu. Car il y a vraiment un bon recul, faut vraiment gérer. Plus elle est à coup. Donc franchement, moi je vous dis, utilisez-la, vous allez voir, vous allez vraiment galérer. Et puis peut-être vous allez vous amuser parce que ça change un petit peu des grosses armes, des fusils d'assaut et tout. Là c'est vraiment, je sais pas si c'est un fusil, non je crois que c'est une mitraillette, un genre de mitraillette. Voilà, il y a un viseur et tout, voilà. On verra bien de toute façon. Voilà, donc j'ai rien gagné pour l'instant. Voilà, c'est magnifique. Oh, Bart Simpson. Assez bien fait. Ok. Trop lol. Ouais, c'est pas mal, voilà. Ok, ok, ok. Donc voilà. Aujourd'hui, nous avons été à la fin de cette semaine. C'était vraiment extraordinaire cette semaine. Je me suis amusé. Soit c'était fatigant, mais franchement je suis vraiment amusé, je me suis éclaté et j'espère que vous aussi vous êtes amusé à me regarder jouer. C'est vrai qu'il y a eu vraiment des moments vraiment torrides des fois, il y a eu vraiment des moments aussi j'ai vraiment ragé et ce jeu à mon avis est vraiment super, donc je vous dirais peut-être de l'acheter, ça vaut le coup, donc voilà. Il vaut le coup juste pour jouer un petit peu, voilà, de temps en temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt, à très bientôt pour plein de jeux qui vont arriver. Donc allez, ciao à tous et je vous adore mes petits abonnés. Allez, ciao !